Hey, salut à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Tour Eiffel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. Allez, c'est parti! Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, je suis en train de faire les ascenseurs de la Tour Eiffel qui permettent de monter jusqu'en haut de la Tour Eiffel. Donc, ça a vraiment été un problème très important parce que dès le début de la construction, il s'est posé la question de est-ce qu'on va monter jusqu'en haut de la Tour Eiffel à pied avec des marches. Vous avez la possibilité de monter, bien sûr, avec les marches, mais bon, je vous conseille de prendre l'ascenseur, c'est quand même mieux, sauf si vous êtes un grand sportif. Il faut savoir qu'il y a ces ascenseurs, un système assez particulier, hein, parce qu'il existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est fait avec un piston qui est huilé. Tenez-vous bien, chaque semaine, il huile un piston en fait. C'est un piston avec qui est entraîné par des valves d'eau chaude en fait. On va rajouter de l'eau chaude, ça va faire de la pression pour pouvoir soulever l'ascenseur. Et quand on veut descendre l'ascenseur, on enlève de la pression. Voilà, c'est comme ça un peu que ça marche. C'est pas très compliqué, mais ça a été une première à l'époque d'inventer un ascenseur comme ça. C'était vraiment révolutionnaire. Donc la Tour Eiffel est toujours dans l'avancée technologique. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye bye. Peace.